Alors, on est le 30 août. Ici, la nouvelle caserne des pompiers. Je viens voir ce qui a brûlé au niveau de Castillon. C'était le 19 août, le samedi. Rien n'a encore été nettoyé, donc c'est parfait. Il n'y a pas plu. Ça, c'est l'entrée de Castillon qu'on voit juste devant. À cette époque-ci, c'est pas vieux, ça. La caserne n'était pas encore habitée, ils n'avaient pas déménagé. Donc ça s'est arrêté à peu près là. Tout ce qui a brûlé, c'est derrière. J'irai le voir tout à l'heure. Le feu a sauté la route, ça a brûlé 2-3 arbres et c'est pas allé plus loin. Voilà l'entrée. Bon là c'est fermé, hein. En été c'était toujours fermé. Ben, y a ça qui a brûlé. Le champ derrière, mais bon, pas grand chose parce qu'il n'y avait que de l'herbe. C'est surtout en dessous, là-bas au fond, et sur la gauche, que ça a brûlé. Là, tout le plateau, là-bas, il a brûlé et tout autour des maisons qu'on voit là-bas. Donc je fais demi-tour et je vais descendre par là-bas. Là-bas derrière. Faut se méfier, faut pas trop rouler dans ces trucs-là. Hein. Ça fait 10 jours et il y a encore des points chauds. Faut rouler là-dedans. Et... Adieu les pneus. Si c'est que les pneus. Bon, là, je suis juste en dessous du VT. Là. 2 minutes, j'ai derrière là, hein, j'ai fait le tour. C'est monté par là, j'ai traversé le champ, par là-bas, là-bas aussi. Heureusement qu'il y avait les vignes au milieu, parce que sinon, à mon avis, s'il y avait eu des pins, il y aurait bien plus de dégâts. Là, je vais passer aux maisons et arriver dans ce plateau brûlé, mais par derrière. C'est plus impressionnant. Après les maisons, je vais arriver par derrière à peu près de l'endroit d'où est parti l'incendie. En général, c'est marqué, les pompiers mettent toujours des banderoles. Et hier, je les ai vus. Sauf que hier, j'avais rien pour ni photo ni caméra. Ça, c'est tout mon jardin d'hiver. Le vélo, l'hiver, c'est là-dedans. Hein. Ah, maintenant c'est pratique, on voit bien les pistes, mais bon, c'est un peu moche. Voilà, tout à l'heure, je vais arriver par là-bas. Et là, on arrive, il y a déjà une maison à droite qui est dans les bois noircis. Et il y en a deux là aussi. Chaque fois, les pompiers, apparemment, ils ont bien protégé les habitations. Hein. Par contre, ils ont quand même dû avoir chaud.